peut arriver. Vous rembourserez les caméras que vous avez cassées? Je pensais être discret. Pensez. Ne pensez pas la prochaine fois. Ne me dites pas que vous avez utilisé l'hectare. Si, je l'utilise très régulièrement. J'espère que vous n'avez jamais joué de fausses notes. Vous me connaissez. Je suis le major. Je n'échoue jamais. Je veux bien le croire. Mais surtout, c'est très dangereux. Écoutez-moi ça. Vous allez en prendre plein les oreilles. Vous êtes sûr de vous, major? Il peut arriver des choses terribles. La justesse a toujours été mon point fort. Écoutez. Non! Que se passe-t-il? Mais vous jouez comme un pied! Oui, mais du 42. C'est trop tard. Il arrive. Il? Regardez. Il est là. Il a l'air de faire du 42. Wesh, cousin. Tranquille quoi, la baisse. Nous sommes perdus. C'est la fin. Ne vous inquiétez pas, sergent. On a un individu pour faire face à ce genre d'aubergine séchée. Recherche et destruction. Erreur, 404. C'est ça votre machine? C'est pas grave. On s'en occupe. Ensemble! Ensemble! Ça va, ça sent? Je crois qu'il va falloir s'échauffer un petit peu. D'accord. Fini de rigoler, pour bien combattre, il faut bien s'échauffer. We'll be right back.
Vu que le U-2020 s'est fait broyer, je vais devoir vous apprendre de nouvelles techniques pour affronter Katanos. On va commencer tout d'abord par un Kyon, comme toujours. On se positionne. Position jambe gauche devant, en Zenkusudachi. Je viens me positionner, ma position est bonne, je suis prêt, je vais faire un Oizuki Jodan. Coup de poing à la tête, au signal. 1 2 3 Demi-tour. 1 2 Je me retrouve bien jambe gauche devant. Et je reprends. Oizuki Jodan. 1 2 3 Demi-tour. 1 2 Je viens faire Aigeuke. Donc, je vais vous montrer. Aigeuke, défense haute. 1 Je viens défendre quelque chose qui vient à la tête. On revient. Prêt. 1 2 3 Demi-tour. 1 2 Je suis prêt, encore une fois. 1 2 3 Demi-tour. 1 2 Je viens faire Oizuki Chudan. Technique, coup de poing au corps. Prêt. 1 2 3 1 2 demi-tour et je reprends. 1 2 3 demi-tour. Je viens défendre une technique que l'on commence à connaître en position. On va prendre son temps pour ce passage en Kokutsudachi, donc position sur l'arrière. Je viens faire le Ude Uchiuke. Donc tranquillement, on va le faire en deux temps. Premier temps, je groupe. 1. J'arme à la hanche. Deuxième temps, j'avance et je reste sur ma jambe gauche. 2. 1. 2. 1. 2. Et tour. Là, je suis déjà positionné. Prêt, on va un peu plus vite. 1. 2. 3 Demi-tour. On refait un aller-retour parce que c'est une technique qu'on voit moins souvent. C'est sur une position qu'on voit moins souvent. Prêt. 1 2 Sans faire de déséquilibre. 3 Demi-tour. 1 2 3 Demi-tour. Très bien. On revient en Zenkutsudachi. Alors, si vous êtes sur des sols glissants, faites attention, hein, parce que forcément, la stabilité n'est pas la même qu'à pieds nus et sur des sols tatami. Là, je viens faire Maigeri. Donc, vous connaissez tous le Maigeri. C'est ça. C'est un coup de pied de face que je vais reposer devant. Prêt. 1 2 3 Demi-tour. On reprend. 1 2 3 Demi-tour. Je viens défendre Gedenbarai, donc une défense basse. Prêt. Donc je vais vous montrer une première fois et on le refera juste après ensemble. 1 Vous avez compris ? Prêt. 1 2 3 Demi-tour. 1 2 3 Demi-tour. On relâche pour l'instant.
Alors là, sur le tuyau, j'ai d'abord fait une attaque à la tête. Le Izuki Jodan. La technique qui a suivi par la suite, c'était un Aigeoke. Naturellement, le Aigeoke, cette défense-là, me permet de bloquer ce Izuki Jodan. Un coup de poing m'arrive à la tête. Boum, je dégage ma tête. La technique suivante, c'était un coup de poing qui venait au corps. Le Izuki Shuden. Naturellement, la défense qui va pouvoir contrer ça, Ude Uchiuke. Le Ude Uchiuke, il dévie tout ce qu'il y a sur la zone du cœur. Boum. Et naturellement, c'est la défense qui est vraie. Et la troisième technique, c'était le Maigeri. Donc une frappe qui est plutôt sur la partie basse du corps, sur la partie basse du buste. 1. Hein. Naturellement, la défense qui correspond bien. 1. Guilhem Barak. Soit en reculant, soit en avançant. Donc là, on va refaire un aller-retour de chaque technique. Par contre, les attaques vont aller vers l'avant. Les défenses vont aller vers l'arrière. Sur le Kokutsudachi, on va prendre notre temps. Parce que on a commencé à travailler pas mal sur la direction vers l'avant, mais pas suffisamment sur la direction vers l'arrière. Donc, je reprends, jambe gauche devant, Izuki Jodan. 1, 2, 3. Donc là, maintenant, naturellement, la défense qui va correspondre, c'est le Aigeoke, en reculant. 1, 2, 3. Très bien. Technique suivante. Le Izuki Shuden. Prêt. 1. 2. 3. Là, je vais reculer et me positionner en Kokutsudachi ou Uchiuke. On va le faire en deux temps pour cette fois-ci. Donc là, je suis positionné. 1, je groove, j'arme. Et 2, je viens m'écraser sur l'arrière. 2. Je reviens. Là, je vais repartir une deuxième fois. 1, je groupe. 2, je recule. 1, je groupe. 2, je recule. On marche, on réattaque vers l'avant. Parce qu'après, on va essayer de le faire en une fois. Prêt? 1, 2, 3. En reculant. 1, 2. Maigeri, coup de pied de face. Prêt. 1, 2, 3. Je recule Guilhem Barak. 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, je vais me mettre face à vous. Je vais vous attaquer ou alors partir faire une défense en reculant et vous allez devoir faire la technique qui correspond. Bien évidemment, on va déjà faire en premier lieu un rappel, puis derrière, je vais aussi vous faire les techniques plus ou moins dans l'ordre et après on mélangera un petit peu. Ça va être un petit jeu un peu ludique qu'on fait souvent à la fin, là on va le faire plus dans cette partie-ci. Je viens me positionner, je suis là. Je vous rappelle la première technique qu'on avait réalisée tout à l'heure, c'était le Izuki Jodan, donc le coup de poing en avançant. 1. Et je recule. Donc là, à partir du moment où je fais Izuki Jodan, quelle est la défense que vous allez faire? Non, ce n'est pas Guilhem Barak. Vous allez faire Aigeoke. Donc si moi je vous attaque coup de poing vers la tête, Izuki Jodan, vous allez reculer Aigeoke. On va faire un test. Est-ce que vous êtes prêts? Rassurez-vous, je ne vais pas aller trop vite. Pour ne pas vous faire mal. Prêt? J'attaque. Très bien. J'attaque une deuxième fois, préparez-vous. Très bien. Une troisième fois. Super. Donc là, vous avez tous fait votre Aigeoke
en reculant. Vous avez enfin dégagé la partie à la tête. Maintenant, je vais pouvoir également vous attaquer au corps. Juste vous attaquer au corps. Donc, Oizuki Shudan. Oizuki Shudan. Et vous, à ce moment-là, vous allez reculer quoi? Ude Uchiuke, en effet. Donc j'arrive, je viens faire Ude Uchiuke, je dévie, et je reviens. Si je vous attaque avec Uzuki Jodan, Uchudan, hop, vous reculez, Ude Uchiuke. Prêt? Allez, vous faites tranquillement, c'est cette technique-là, je vous attaque trois fois. J'attaque. Une deuxième fois. J'attaque une troisième fois. C'est pas mal. Attention, là, vous êtes. Il y en a certains qui sont vachement sur l'avant. Là, on est vraiment sur un mouvement qui va sur l'arrière. Je viens me planter sur l'arrière. Il faut vraiment dégager ce qu'il y a devant. Ça va pour tout le monde, ça? Très bien. Je vais maintenant vous attaquer Maigeri. Donc, Maigeri. Maigeri, je vais défendre Genanbarai, en effet. Je défends sur la partie basse pour me mettre hors de danger et pour dévier le coup de pied. Est-ce que vous êtes prêts? On vous attaque trois fois. C'est pas mal du tout. Attention, maintenant je vais pouvoir vous attaquer l'un des trois. Ça va être la surprise. Je vais aller tranquillement. Par contre, vous devez être très concentré. On se concentre bien, hein. Pas mal. Attention, on se concentre bien, on évite de prendre peur et de tourner la tête. Je vais pas vite, donc là vous allez pouvoir le faire. C'est pas grave si on se trompe, je contrôle, hein, y a pas de souci. Prêt? Maintenant, je vais pas faire dans l'ordre, parce que sinon c'est trop facile pour vous. Je vais pas forcément faire dans l'ordre, mais je vais aller très doucement. Je vais un peu vite. On se concentre bien pour le dernier. Pas mal du tout. Maintenant, je vais reculer une défense, même si en toute logique, je ne reculerai pas avant que l'attaque arrive, mais c'est pour vous donner une indication. Je vais reculer sur ma défense, je vais devoir faire l'attaque qui correspond. Donc, j'ai trois possibilités. Soit je recule à Igeuke, et dans ces conditions, vous allez faire Oizuki Jodan. Soit je recule Ude Uchiuke en Kokutsudachi, et dans ces conditions, vous attaquez Oizuki Jodan, c'est parfait. Soit je recule donc Genanbarai, et là, vous allez faire Maigeri. Très bien, c'est ça. Prêt? Pour l'instant, là, on le fait dans l'ordre, sur les trois premiers, et après, je mélangerai. On entend un bruit. Prêt. Très bien, on attaque Oizuki Jodan. Oizuki Jodan. Deuxième. Ude Uchiuke, donc. Oizuki Jodan, très bien.
Et dernier, voir si vous avez bien compris. Jaden Baraï, Nayel. Super. Très bien. Maintenant, je vais mélanger. Vous allez devoir pas vous tromper. Prêt? Très bien. Voilà, là c'est très important de le savoir parce que ça, au fur et à mesure de vos années de karaté, vous allez le faire sur des partenaires de plus en plus rapides, de plus en plus, on va dire, confirmés. Donc, c'est important de le faire dès le départ et vous allez voir si vous vous dites « Ah bah cette technique-là, cette défense-là, elle me sert à bloquer, non, mon Gaden Barai, il sert à bloquer un Baigeri. » Si vous mettez ça dans la tête, vous allez voir, votre Gaden Barai va être beaucoup plus efficace que si je ne sais pas à quoi ça sert. Très bien, on va pouvoir passer sur la suite. Très bien, on va voir, parce qu'on a déjà commencé en présence au tatami, enfin au dojo. On va recommencer le kata Teikyuku Sandan, tranquillement, temps par temps vraiment, pour revoir bien le diagramme et revoir les différences, les petites nuances, que ce soit au niveau des techniques ou des positions. Donc, je vais mettre dans le sens comme vous, comme ça vous pouvez me suivre. Donc au départ, on ne va pas saluer pour l'instant, parce que de toute façon, on est en plein apprentissage, on va dire, du diagramme. Je me positionne. Là, je vais partir donc, à gauche. Donc première chose que je fais, je tourne la tête et j'écrase. J'écrase pour me positionner déjà. Et je reste sur ma jambe droite. 1. Ude Uchiuke. Ma défense que j'ai fait dans le kyo. 1. Là, je vais attaquer Oizuki Chudan au corps. 2. Je suis positionné. Là, je vais aller de l'autre côté, donc je vais tirer le bras juste là, le bras droit, et je vais venir me positionner en Kokutsudachi ou Uchiuke. 1. Je me positionne et je viens faire Oizuki Chudan. 2. Ça va pour l'instant? Là, je vais partir vers le mur du fond, donc à ma gauche. Par contre, je ne vais plus faire Ude Uchiuke, mais je vais faire Gaden Barai. 1. Gaden Barai. Je viens faire Oizuki, par contre, à la tête. Oizuki Jodan. 2. 3. 4. On reprend jusque-là. Ça va pour l'instant, la grosse nuance, c'est les positions. Mes défenses sur les côtés, c'est en Kokutsudachi. Ma défense en face, c'est en Gaden Barai. Au niveau des attaques, sur les côtés, c'est au corps. Sur l'avant, à la tête. Facile. Prêt? À gauche. 1. 2. 1. 2. Gaden Barai. 1. Tête. 2. Je viens faire Ude Uchiuke, pardon, en Kokutsudachi vers ma droite. Donc là, j'arme, bras gauche à la hanche, je groupe, je tourne. 2. Coup de poing en avançant au corps. 2. Pareil, de l'autre côté. 1. 2. Gaden Barai. 1. Tête, tête, tête. Je viens faire à ma droite Ude Uchiuke en Kokutsudachi. Donc j'arme, je tourne, Ude Uchiuke. 2. Donc corps. Ude Uchiuke. 1. 2. Et je
revient façon. Le kata dans son ensemble, au niveau du diagramme, est fait. Est-ce que on le refait une fois ensemble tout de suite? Ou est-ce que vous essayez de le refaire tout seul? On va essayer de le refaire tout seul pour voir. Je vais bien sûr vous donner toutes les indications. Très. Donc je suis face au mur. Et donc je vais partir à gauche. En Kokutsudachi ou Uchiuke. 1. Kokutsudachi. Un autre. Sur l'arrière. C'est bien. 2. D'accord. J'avance au corps par contre. Bien au corps. On revient ou Uchiuke. Derrière vous. 1. Pas mal. Tsuki au corps. 2. Là, ça va être Gedenbarai vers le mur, vers votre gauche. Là, vous êtes positionné ici. Donc, je vais venir faire Gedenbarai. Prêt? 1. Très bien. Coup de poing à la tête. 2. 3. 4. Donc là, on est jambe droite devant. Je vois certains qui sont jambe gauche devant. Là, on est jambe droite devant. Là, je vais partir à droite en faisant le tour autour de ma jambe avant. Donc, si vu je suis ici, je vais aller par là. 1, 2. Prêt? 1. Bien. 2. Corps. Attention, ne vous trompez pas. Derrière vous, Ude Uchiuke. 1. 2. Très bien. Gedenbarai vers votre télé, vers là, vers moi. Donc je suis ici. Et je vais aller à gauche, à votre gauche. 1. Très bien. Tête. 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 Et donc là, je ne suis pas jambe gauche, je suis jambe droite devant. Je suis ici. Et là, je pars à droite, ou de Uchiuke. 1. Très bien. 2. Derrière vous. 1. Ou de Uchiuke, pas Gedenbarai. 2. Très bien. Et on revient. Je vais le refaire avec vous parce que il y a encore du cafouillage, c'est normal. Hein. Là, c'était pour voir un peu, je vais vous tester un peu, voir où vous êtes dans le métier. On va reprendre. Prêt. À gauche, Ude Uchiuke. 1. Coup de poing en avançant. 2. Ude Uchiuke derrière. 1. 2. Gedenbarai à gauche. 1. Oizuki tête. Super, j'en ai entendu qu'on fait le kiai, c'est très bien. Là, il y a un kiai. À droite, Ude Uchiuke. J'arme, je tourne. 2. 3, coup de poing. 1. 2. 1. Gedenbarai, pas Ude Uchiuke. Tête. 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 À droite, je pivote autour de ma jambe avant, Ude Uchiuke. J'arme, 2, 3. Coup de poing. 1. Coup de poing. Très bien, on revient en l'air. C'est pas trop mal. Ça, il faudra, faut le refaire, il faut le réviser. Déjà sur les directions, mais les directions, c'est assez facile, puisque c'est le TQ Shodan et TQ Kunidan, c'est les mêmes directions. C'est juste la position qui change. Kokutsu, Zenkutsu. Kokutsu, Zenkutsu. Zenkutsu, 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 Kokutsu, etc. Et une variation de position, c'est ce qui est un peu compliqué. Mais il faut bien s'habituer à le faire. Ça, vous allez pouvoir le réviser plusieurs fois chez vous. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez revenir en arrière pour revoir les éléments éventuellement sur lesquels vous avez de la difficulté. Très bien, là on va passer sur un exercice de situation un peu plus réelle, ce qui sera bon pour s'entraîner en vue d'un combat futur difficile. Si vous avez quelqu'un chez vous qui participe avec vous à l'entraînement, par exemple un frère ou une sœur qui fait aussi du karaté, un papa, maman qui accepte de vous aider dans votre entraînement, je vais vous inviter à prendre quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, hein, quelque chose de relativement long, pas quelque chose de qui est tout mou parce que sinon ça n'aura pas de forme, quelque chose de plutôt long
Et par contre, pas trop dur, parce que sinon ça peut se faire mal. On prend pas un manche à balai en bois, on prend pas, comme moi j'ai pris, un pied de table. Parce que bon, voilà, moi je, vous savez bien que je suis une machine de guerre, donc moi je travaille avec du bois dur. Donc prenez quelque chose, voilà, d'assez long, pour pouvoir justement frapper, enfin, frapper, simuler une attaque qui vient par exemple du dessus, ou alors d'ailleurs, selon l'exercice qu'on va faire. Donc là, on va être plus sur quelque chose d'un peu plus mobile, hein, on va être vraiment sur, un déplacement un petit peu, on sautille un petit peu, hein, pour être à l'aise. On est là, on sautille, on est prêt. Moi, je vais venir, alors ceux qui travaillent tout seuls, vous allez suivre par rapport à la vidéo, ceux qui travaillent avec quelqu'un, vous allez le faire ensemble. Donc là, moi, je vais venir faire une attaque qui va d'en haut, donc je vais partir de derrière mon dos, et qui va venir s'abattre sur le devant. Là, ici, naturellement, vous l'avez vu tout à l'heure, une attaque qui vient vers le haut. Qu'est-ce que je vais faire par réflexe? Oh, je vais faire ça. Bah, au karaté, boum, je viens lever le bras, aïe, ok. Boum. Même si là, je ne suis pas en position, boum, très traditionnelle, je suis ici, et au moment où j'attaque, un, je viens faire. Si je pose, parce que forcément, il y a deux mains, hein, dans le karaté, là, un, voilà, j'ai défendu. Je peux le faire juste avec ce sursaut-là, ou je peux faire carrément un pas en arrière. Donc moi, je vais vous attaquer. Tranquillement, on va commencer par ça, hein, tranquillement, vraiment, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je vais venir juste vous attaquer de derrière, d'en haut, boum, jusque sur votre tête. Vous, votre objectif, c'est de vous défendre la tête. Pareil, n'allez pas trop vite, c'est pas l'objectif. J'en vois souvent quand on fait des travails avec des frites ou des choses comme ça, qui sont là et boum, l'objectif, c'est juste de toucher la tête. Non, là, on est vraiment là pour aider son partenaire à s'entraîner. Donc, on sautille tranquillement. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vais vous attaquer. Très bien. Alors on évite de tourner la tête, hein, parce que on ne travaille pas avec quelque chose qui fait mal, donc il n'y a pas de problème. Je viens toujours conserver le regard et un, boum, j'ai défendu. Prêt. Deux, très bien. Oui, c'est ça. C'est bien. Voilà. Ah, attention, je suis pas obligé d'attaquer en permanence. Je peux venir caler, hop, et voilà, c'est bien. Très bien. On fait une petite pause, hein, on se repose 2 minutes. L'idée, c'est que vous pouvez alterner vraiment gauche-droite. Hein. Mais le plus important, c'est de toujours conserver. Regarde, si je tourne la tête, je me ferai toucher. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas tourner la tête, et surtout, on part en position. J'en vois qui partent comme ça, et ils sont là, boum, boum, non, ce n'est pas l'objectif. Je suis ici, hop, et si l'attaque arrive, hop, j'ai défendu. Ou alors, je suis là, hop, j'ai défendu. Prêt. On fait une deuxième petite session. Si on est par deux, et qu'on sent qu'on est vachement à l'aise quand on y va doucement, on peut essayer d'aller un peu plus vite et de piéger un petit peu son partenaire. Allez, prêt. Voilà. Attention. On peut changer d'axe, hein, je peux venir ici, mais là, comme je suis face à vous, je reste face à la caméra. Ah, c'est bien. Très bien. Ça, c'était de la défense. Maintenant, je vais venir positionner à tout moment, bras tendu, le pied de table, votre arme, on va dire, droit devant moi. Par contre, c'est vraiment bien fixé. Je suis en train de me déplacer et je m'arrête. Boum! À partir de ce moment-là, l'attaquant, enfin vous allez faire Mawashigiri. Soit la jambe avant, soit la jambe arrière. Là, il n'y a pas d'imposition particulière. C'est vraiment ce que vous souhaitez. Donc, je suis ici, je sautille, boum! Et là, Mawashigiri. Très bien. Vous voyez, c'est très facile. L'important, boum, c'est pas de taper, c'est toujours pareil. Là, je suis un partenaire, je suis une cible. Ça ne doit pas faire ça. La cible est là, je peux légèrement toucher et je repars. Pareil, hein, si vous travaillez avec un pied de table,
Ne vous amusez pas à taper trop fort, parce que ça fait mal. Après, donc, je rappelle, soit 1, soit 2. Est-ce que ça marche? Prêt? Allez, c'est parti! On est un peu plus réactif. Normalement, c'est quasiment instantané. Vous êtes prêts, parce que si vous ne sautiez pas, ça va être compliqué. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. Bien. À la balle. On a le droit d'alterner, on ne fait pas toujours la même jambe. Très bien. Tranquillement, si vous êtes parti avec un partenaire, vous changez, hein, c'est l'autre qui prend la cible. L'avantage, c'est qu'après la vidéo, vous pourrez le refaire plusieurs fois. Plus on le fait, plus bénéfique c'est, hein, il n'y a pas de problème. On est prêt, on va faire une deuxième session. Si on a travaillé beaucoup d'une jambe, on essaye de travailler un peu de l'autre jambe aussi pour pour bien travailler les deux jambes, parce que c'est important d'avoir deux jambes qui sont plutôt à l'aise. Prêt? Très bien. Plus rapidement. Voilà, on ne tape pas trop fort dans la cible. Voilà. Très bien. Eh oui, je ne fais pas forcément du tout le temps le même temps. Vous savez ça. Voilà. Allez, encore. On lâche pas. Très bien, on relâche. Maintenant, moi, je vais avoir deux possibilités. Je vais pouvoir soit attaquer, soit m'arrêter avec mon bâton pour que vous attaquiez. Vous avez deux possibilités, soit l'attaque d'en haut, donc la défense à Geoke, soit je m'arrête et vous avez deux possibilités, Mawashigiri ou Mawashigiri, avant ou après. Est-ce que ça va? Allez, je vous sens cramé. Prêt? Attention, j'ai le droit d'enchaîner plus ou moins entre défense et attaque, j'ai le droit d'enchaîner. Hein. Et tout de suite. Voilà. Voilà. Très bien. Eh oui. Allez, on lâche pas. Et fort. Et c'est pas parce que je fais une attaque qu'il faut forcément contre-attaquer derrière. Voilà. Très bien. On relâche. Respirez 2 minutes. Vous changez de partenaire si vous travaillez à deux. Là, on va pouvoir reprendre. Si vous travaillez qu'avec moi, l'avantage, c'est que vous travaillez deux fois. Donc vous travaillez deux fois plus. Prêt? Allez. On est parti. Voilà. Très bien. Et on attaque. Voilà. Défense à Geoke et on attaque. Voilà. Hop. Tout de suite on attaque, c'est bien. On évite d'être trop loin. Si je suis super loin, je vais avoir du mal à venir attaquer. 1, 2, encore. Et j'attaque. Voilà. J'attaque. Et on attaque. Très bien, on relâche. Voilà, là, vous avez quand même pas mal bien travaillé. Continuez, hein. Le kata, révisez-le après la vidéo, revoyez la vidéo s'il y a besoin. Suivez les autres vidéos, évidemment, qui peuvent vous concerner, même si votre vidéo, c'est la bonne. Les exercices, vous les refaites. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez avec votre frère, votre soeur, votre papa, votre maman. Ça va vous développer les réflexes et ça vous permettra d'affronter Katanos,